Yeah.
mama. Le moment est venu afin que tu puisses nous parler. Comme cela est écrit dans le livre de ta parole. Au jour d'autrefois, tu descends sur la montagne de Sinaï et tu leur parleras Dieu des cieux. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Descends et parle-nous à travers ton instrument. Comme cela est écrit dans le livre de ta parole, que dans les derniers jours, personne ne dira à son concitoyen qu'on est Dieu, car tous seront enseignés par toi-même, Seigneur Jésus. Et tu as dit, tu seras ouvert avec tes ouvriers dans le champ. Prêche-nous ta vérité, Seigneur. Utilise puissamment le vase pour nous communiquer tes oracles, Seigneur, afin que nous puissions être sanctifiés, guéris, sauvés, bénis et surtout perfectionnés au travers de ta parole, tout pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie. Amen. 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 Amen à vous. Et comme il y en a des degrés à côté. Amen. 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 Ok, il faut vous arrêter. Voilà. Tu as dit que. Petit gars, question que vous avez posée, mais quand tu as mal à dire que tout le monde n'a qu'à la Bible, pas poser la question, ce qui m'a négoué. Non, nous m'a négoué, moi, il y a retourné la question, je vais la noter. Est-ce que vous comprenez, là? Vous comprenez, là, bien? Ça dit, tout le monde peut la priorité dans la parole. Ce qui m'a dit, c'est que nous avons dit, il y a mon présence, c'est à moi, quand tu as dit, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Motona ango kola papa la biso. OK. To telemisi le prophète et le bon traducteur nae pour na tinana ko te ali lo bananza. Amen. Que la paix de Jésus-Christ soit le partage de tout un chacun. Que la grâce de Jésus-Christ te garde, bien-aimé. Et nous continuons notre enseignement. Nous continuons notre enseignement. Par la grâce de Dieu. N'angolui en Zambé. Et le 27 octobre 2021. Et aujourd'hui, nous sommes le 27 octobre 2021. Et tu es notre enseignement est allé sur le Setso. Et nous savons que notre enseignement est, se porte sur le Setso. Nous allons dans le quatrième saut. Et nous sommes dans le quatrième saut. Mais le col à toi, non, ça qui te explique qui clairement. Mais comme nous l'avions clairement expliqué, et Apocalypse 12, Esaïe le bénémoine sur ma saut. Que l'Apocalypse 12 était notre langage de sceau. Même Apocalypse 17, 18. Même Apocalypse chapitre 17 et 18. C'est pourquoi nous parlons de cela petit à petit. Nous en avons 4 Apocalypse 12. Nous sommes en train d'exploiter Apocalypse 12. Nous avons touché les temps où. Nous touchons là où on nous parle de la précipitation du dragon. Et puis, tout comme on a le lingué, a qui dit qu'on attaquait la femme.
Et nous verrons aussi comment est-ce qu'ils seront pour attaquer la femme. Nous prenons notre texte d'Apocalypse 12. À partir, il y a verset 5, tout en est toujours 5, autant qu'il est dit, dans verset 13. À partir du verset 5 jusqu'au verset 13. En lisant l'ordre de Jésus-Christ. Et l'enfant a un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert. Où il avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. Et il guère dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Et ils furent précipités. Les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables, et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Et la puissance. Et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a pu. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Loin de la face du serpent et de sa bouche, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme. Et la terre ouvrit sa bouche. Et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa bouche.
Et les dragons firent irriter contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Et Dieu bénisse cette écriture sainte. Amen. Et Apambola, ma commune est sans tout. Nous sommes persuadés que c'est le Seigneur qui nous réunit par sa grâce. Et ma joie est vraiment ma casse bonne. Ma joie est tellement forte que parce que le Seigneur nous donne le temps d'enseigner. Parce que parce que ce n'est pas par nos efforts que nous avons ce temps d'enseigner. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui se manifeste encore. Que nous recevons ce temps de nous lever pour annoncer la parole de Dieu. Nous allons point par point, bien-aimés, dans la mesure de la grâce que le Seigneur nous a faite. On avait montré dans notre exposé, lorsqu'on avait pris le verset 5 d'Apocalypse 12, d'Apocalypse chapitre 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle enfanta un fils moi, si on a bota, qui doit vaincre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu, vers son trône. On avait montré que ce fils bien-aimé, Aza vainqueur, Aza molongi. Qu'est-ce qui nous convainc que ce fils-là est vainqueur? C'est par rapport à Apocalypse 2, versets 26 et 27. C'est par rapport à Apocalypse 2, le verset 26 à 27. On a dans mon acquis l'écriture des autres et les là-bas, nous avions vu l'écriture nous montrer ceci. Apocalypse 2, versets 26 et 27. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on prise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon père. Donc, total qui le verset 26-27 et Apocalypse 2. On avait lu le verset 26 et 27 d'Apocalypse 2. La promesse du Seigneur a fait à l'église. C'est une promesse que le Seigneur a faite à l'église. Bonamolongi. À celui qui vaincra. Même promesse y a qu'on pètre les nations. Et cette même promesse de pètre les nations. Et on a en Apocalypse 12, c'est, verset 5. C'est la même que nous avions vu dans Apocalypse 12, le verset 5. Et l'enfant a un fils. Qui va pètre toutes les nations. Oui, Seigneur, avec une verge de fer. Et suite de Tyria, verset 5. Et la suite de l'écriture du verset 5. Et son enfant fit enlever vers Dieu, vers son trône. Et ce fils-là, on lui a donné le trône. Total qui promet sa trône. On avait encore vu la promesse du trône. On avait pris Apocalypse 3. Verset 21. Le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon père sur son trône. Les deux promesses aujourd'hui. Les deux promesses que nous avons prises. Apocalypse 2, verset 26 27. Apocalypse 2, le verset 26 à 27. Apocalypse 3, verset 21. Apocalypse 3, le verset 21. Et sa promesse pour l'église.
l'église. Ce sont des promesses faites à l'église. Et nous comprenons malheureusement que fils wana c'est l'église. Et directement nous comprenons que le fils qui fut enlevé c'est l'église. Dès tu expliquais qui commence à l'église. Alors nous avons expliqué comment ce fils là c'est l'église. Pesaki 2 Corinthiens 3 verset 18. Nous avions donné l'écriture de 2 Corinthiens 3 le verset 18. On a établi ça que nous autres là dans un miroir. Une image. Là-bas, on avait montré que tous les visages découverts, regardant comme dans un miroir, une image. Vous allez transformer à la même image. Miroir, vous allez la parole de Dieu. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Dans toutes les écritures saintes. Namakominyon se sent. Il y a une image à l'intérieur. Jésus a zoloba dans Jean 5 verset. 39 à 40. Jésus dit dans Jean 5, le verset 39 à 40. Le Bible, vous sondez les Écritures. Dans Jean 5, le verset 39 à 40. Jean 5, le verset 39 à 40. Le Bible, vous allez pour tala tala va ma commis. Vous sondez les Écritures. Et vous allez pour le fils. Nous sommes comme un fils. Et nous devenons ces fils-là du miroir. Et vous voyez que aussi témoignage dans Éphésiens 4. Nous avions pris aussi un témoignage dans Éphésiens 4. On a qu'à partir verset 11. Encore voir. Parce que Awa Ezali Kamboyako précipiter les dragons et ses anges. Ici, c'est l'affaire de précipiter les dragons et ses anges. Pour comprendre l'écriture bien. Pour bien comprendre l'écriture de Dieu. Il faut seulement saisir comment est-ce que Dieu marchait avec Israël dans l'ombre. Et les choses que Dieu accomplissait au temps d'Israël. Et total ça qui bouillait. Alors nous avions fait voir ceci. Il y a des passages bibliques que je vous ai déjà donnés. Oui, il confirmera que nation Oyazali élevée au-dessus y a ma nation sous. Qui atteste que la nation qui est élevée au-dessus des autres nations. Azala ka serpent du temps. Est toujours considéré comme les serpents du temps. Pessa, Esaïe 14, verset 29. On avait donné Esaïe 14, le verset 29. Donc Pessa, Jérémie 46, verset 29, verset même 26e. Et aussi Jérémie 46, le verset 20 jusqu'à 26. Surtout les versets 22e à Jérémie 46. Surtout les versets 22 de Jérémie 46. On a béni vraiment Nebuchadnezzar. Les serpents. Là-bas, on a vraiment appelé Nebuchadnezzar un serpent. Et topé ça aussi, Jérémie 8, au verset 17e. Et nous avions aussi donné Esaïe, Jérémie 8, le verset 17. Il confirmera que Basilico et Esaïe, l'obélaquine à Esaïe 14, 29. Là-bas, on nous confirme que le serpent basilique dont Esaïe avait parlé au chapitre 14, le verset 29. Jérémie 8, 17. C'est lui-là que nous avons vu dans Jérémie 8, le verset 17. C'est Babylone. De Babylone. Donc, t'as dit ça qui est aussi Babylone, Bazobé, est aussi comme un dragon. On avait montré aussi que Babylone est appelé comme un dragon. Donc, Nebuchadnezzar. Donc, le roi Nebuchadnezzar. Là, nous avons pris Jérémie 51. Là, nous avions pris Jérémie 51. Le verset 34. Le verset 34. Et on avait marché de cette manière-là. On a montré ça qui est la nation. Où Yazali Odessi. D'autres nations. Pour la côte, il s'est été colo à Zalina Kokonzabi, colo Misusu. Le Seigneur l'appelle comme un serpent. Le Seigneur l'appelle comme les serpents qui tombent. Satan. Satanaye Moko. Yango, Tuzwaki, Esaïe chapitre 14. C'est pourquoi nous avions pris Esaïe chapitre 14. Pour bander qui a parti, il y a verset d'abord 3e. On avait d'abord commencé à partir du verset 3. Ok, tout à la quitté, le verset 14e. Et puis on était descendu jusqu'au verset 14. Les versets 3 à 4 et à Esaïe 14. Le verset 3 et 4 d'Esaïe 14. Ezolobela Nicoloya, roi de Babylone. Ces versets-là parlent au sujet du roi de Babylone. Complainte sur le roi de Babylone. Zembo yamawato yamatanga likola mokonza Babylone. Mais toujours remarqué tant baso parce que roi de Babylone. Mais nous remarquons lorsqu'on parle au sujet du roi de Babylone. Dans totalina verset 12e et Esaïe 14. Lorsque nous avions regardé au verset 12 d'Esaïe 14. Et voilà tombé du ciel. Talayoana kokwe ya utamakolo. L'astre brillant.
Fils de l'Oron, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Yo molongi ya mikolo ya mabele. Banani bazolo balikambo yo. Qui sont en train de dire cette parole? Totala ki na verset 9. On avait pris le verset 9. Tant bazolo bela na chute ya Babylone. Lorsqu'on nous parle sur la chute de Babylone, les séjours des morts semés, mokilia bawe ningani, jusqu'à dans ses profondeurs. Pour t'accueillir à ton arrivée, il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois de la terre, des nations. Tous prennent la parole pour te dire. Toi aussi, tu es sans force, comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts. Avec les sons des télites. Sous toi est une couche de verre. Et les verres sont ta couverture. Tu voilà tombé du ciel. L'astre brillant. Fils de l'aurore, tu as bâti à terre, toi vainqueur des nations. Donc, avant que Babylone ne tombe, bien aimé, Aza la précipitée qu'elle est dans les séjours des morts, avant qu'il ne soit précipité pour les séjours des morts, il y avait déjà les autres rois les grands de la terre qui étaient déjà aussi précipités. Avant. Et c'était eux qui étaient précipités avant. Maintenant, Babylone est venu aussi. Mais c'est Babylone, yo, peo, yawa. On a dit, toi aussi, tu es ici, sans force comme nous. Donc, bah, roi, oh, bah, avant. Donc ces rois qui étaient précipités avant. Mais ils ont trône dans les séjours des morts. Mais ils ont toujours leur trône dans les séjours des morts. Parce que tout le monde a la cinquième trompette dans Apocalypse 9. Parce que nous les verrons à la cinquième trompette dans Apocalypse 9. Par la grâce de Dieu. Parce que tant que le puits abîme, il faut moi qui n'a pas. Parce que lorsque le puits de l'abîme était ouvert dans Apocalypse 9, il y avait une fumée sous dans l'abîme. Et ça là qui n'a mis l'île. Dans ces jours de mort, et dans cette fumée, il y avait des sauterelles qui montaient. Là, tout le par la grâce de Dieu, et nous en parlerons par la grâce du Seigneur au moment favorable. Mais il n'y a pas qu'avant Nebuchadnezzar, donc Babylone a tombé. Mais sache qu'avant la chute de Babylone, il y avait déjà des rois qui tombaient avant. Il y avait déjà des rois qui étaient précipités avant Babylone. Il y a beaucoup de gens qui sont en Assyrie. C'est pourquoi nous voyons ces rois-là sont l'Assyrie. Zomon a aussi, ils sont en Égypte. Et nous voyons aussi l'Égypte. Parce que la première puissante nation, ils sont en Égypte. Parce que la première puissance des nations, c'était l'Égypte. Ils ont confirmé qu'elle a été précipitée à son temps. Et cela confirme que l'Égypte aussi était précipitée. Ça a été les serpents. Qui étaient les serpents de la terre. Et il y a la Syrie. Et après l'Égypte, il y a aussi la Syrie. Oh, ça a été précipitée. Qui était aussi précipitée dans les séjours de mort. Précipitée à Syrie. La précipitée la Syrie. Ézéchiel a nommé la Yango. Ézéchiel en avait parlé. Dans Ézéchiel 31, verset 16. Dans Ézéchiel 31, le verset 16. Maintenant, Toloba qui brûle. Maintenant, on avait dit ceci. Pourquoi Bazo présenter Awawa la prophétie? Pourquoi la prophétie ici nous présente? Parce que tant que Esaïe voit la prophétie, Oyo, il cambona ne s'arrête. Parce que lorsque Esaïe voit la prophétie de la chute de Babylone, cela n'était pas encore accompli. Mamoni les gens qui Babylone a tombé. Mais il voyait déjà la chute de Babylone. Pourquoi va présenter Oboye?
pourquoi on l'a présenté comme ceci? Toyaki kota la verset 1er na 2e Ésaïe 14. On était venu voir Ésaïe toujours 14. Chapitre 14, le verset 1er et 2. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Et choisira encore Israël. Et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux. Et ils s'unirontà la maison de Jacob. Les peuples les prendront. Et les ramèneront à leur demeure. Et la maison, elle les possédera dans les pays d'Éternel. Comme serviteurs et comme servantes. Ils étaient donc captifs ceux qui les avaient fait captifs. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Donc, verset 1 à 2, il y a Ésaïe 14. Donc, le verset 1 et 2 d'Ésaïe 14. Et Zotali, ça, rétablissement d'Israël. Nous parle du rétablissement d'Israël. Donc, Tamouz Ambazo restaure le peuple. Donc, lorsque le Seigneur restaure son peuple, Tamazo guérit le peuple. Lorsque le Seigneur guérira son peuple, l'ennemi, il faut la précipiter. L'oppresseur ou le dominateur doit être précipité. Vous aurez dans la l'écriture. Amen. Donc le col ensemble est à rétablir. Comme le Seigneur rétablit. Et la suite à Oignon, ce qu'on va dans verset 3. Si ok, même tu n'as pas verset 14. C'est pourquoi la suite, à partir du verset 3 jusqu'à 14, Bazo présente chute à l'ennemi. On présente la chute de l'ennemi, de l'oppresseur du peuple. Vous aurez dans la malam. Vous suivez attentivement. Bisonnez tout ça, boy. Nous, comme nous sommes là, l'église. L'église ensemble. Dozoze là, les sauveurs. Nous attendons un sauveur. Selon Philippiens 3, verset 21. Kolanisalikomi, il y a Philippiens 3, verset 21. À partir du verset 20 jusqu'à 21. Totangiango. Nous le lisons. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Les versets 20 à 21. Le verset 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous l'attendons comme sauveur. Donc, il viendra encore nous sauver. Si tu dis qu'il nous avait déjà sauvés, oui, c'est vrai, il nous avait déjà sauvés par l'œuvre de la mort. Mais nous osons la salut. Mais nous attendons encore le salut. Salut au dos, le salut que nous attendons. Et ça salut à corps. C'est le salut du corps charnel que nous avons. Amen. C'est pourquoi je te donne les Écritures. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, le verset 30. L'écriture est le Bible. L'écriture dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit Dieu. Par lesquels vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Donc, donc on a été racheté. Mais nous attendons encore une autre rédemption. Mais l'issico le bossa pour aux Saint-Esprit. Mais cette rédemption là s'accomplira dans ta vie parce que tu as le Saint-Esprit. Éphésiens 1, verset 13 à 14. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 à 14. Jésus nous a rachetés. Mais à aussi cola mais il nous rachètera encore. Nous avons la Bible n'est ça. Il t'en a verset 13, 14 et verset 1. En lui, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité.
L'évangile de votre salut. Ézéchiel chapitre 1er verset 13 na okété na 14. En lui vous avez cru. Et vous mais était scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Maintenant, Saint-Esprit est maintenant, on veut expliquer c'est quoi le Saint-Esprit. Dans verset 14. Le verset 14. Lequel est un gage de notre héritage. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dans Romains 8, verset 23. Nous prenons Romains chapitre 8, le verset 23. Romains 8, le verset 23e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et ce que nous attendons aujourd'hui, c'est ça le verset 23 de Romains 8. On n'est pas encore racheté dans notre corps. Cette rédemption l'avait dit. Verset 21 Philippiens 3, tous ceux qui placent aux Araki. Le verset 21 de Philippiens 3 que nous venions de lire. Parce que c'est là pourquoi ça sauvé. Et nous voulons voir pourquoi on appelle encore le Christ sauveur. Parce qu'il viendra encore nous sauver. D'autant que verset 21, mais notre cité à nous est dans les cieux. Philippiens 3. Kasi mboka na biso ezali na makolo. Nous nous entendons aussi comme sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ. Verset 21 le dit, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Par les pouvoirs qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous voyez le but pour lequel nous avons. C'est pour qu'il puisse transformer notre corps ici. Que ce corps puisse être transformé afin que nous prenions le corps de gloire. Délivrance, Wana. Cette délivrance, bien-aimé. Paul a béni en Romains 16, verset 20. Paul l'a appelé dans Romains 16, le verset 20. D'autant qu'il y a moi encore. Nous relisons. Les dieux de paix écrasera Satan, bientôt Satan, sous vos pieds. Lelo déjà Satan za na sa matambe na biso. Déjà aujourd'hui, Satan est écrasé sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. Mais toujours c'est encore écrasement ya Satan encore. Mais nous attendons encore l'écrasement de Satan. Et ça tant que tous otika ma belé tola ti zotan kembo betone tola. C'est lorsque nous allons quitter la terre et nous portons le corps de gloire en vue de l'enlèvement. Na tant que tous on tola ma et lors de notre enlèvement, il est koloba. Satan est vaincu. Cela veut dire que Satan est vaincu. Aza précipité. Yéba boa qui est na mabele. Dieu bénisse. Amen. D'abord, son botali par rapport à chute et salimaki. D'abord, si tu remarques par rapport à la chute qui s'est passée en Éden, quand les diables. Azara qui précipité. Lorsque le diable fut précipité sur la terre, Aya qui poursuivait la femme. Il était allé suivre la femme dans le jardin. Eve. La femme Eve. De la même manière dans Apocalypse 12. Azara précipité. Lorsque
les travaux précipités. Akei ko suivre la femme. Il s'en va suivre la femme. Zola namo malam. Amen. Ah, lutamba namo malem malem. Nous marchons petit à petit. Mais il faut koyé ma boyé. Mais vous devrez savoir ceci. Que l'ennemi Monguna, le fait que la chute y a qui par Adam, le fait que la chute était venue par Adam, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Liwa etondwa ki kobanda Adam akino na Mose. Oyaza ko régné, cela veut dire ça qui kolo ya ba mosu. Donc celui qui règne veut dire il est au-dessus des autres. Maintenant, Hébreux 2, le Bible. Maintenant, Hébreux 2 dit ceci. Parce que le mouvement nous s'est allumé dans l'heure, dans la catabana nation. Parce que tous les mouvements qui se sont passés du temps des nations, ils ont été allumés par puissantes nations, par tamboli sur la terre. C'est seulement pour montrer comment les puissantes nations ont marché sur la terre. Hébreux 2. Hébreux chapitre 2. N'attendez verset 14. Le verset 14. 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, la croix du Seigneur, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. Et le diable qui a la puissance de la mort. Amen. Donc le diable depuis la chute d'Adam. Donc le diable depuis la chute d'Adam. Azalaki ko détenir la puissance de la mort. Il détenait la puissance de la mort. Yango, la Bible déclare que la mort a régné. C'est pourquoi la Bible déclare que Liwa est tout droit qui n'a pas bien. Depuis Adam jusqu'à Moïse. Kobanda Adam ali boso kino na Mose. Par rapport à la chute d'Adam. Par rapport à la chute d'Adam. Les malins a régné qui détenait la puissance de la mort. Les malins détenaient la puissance de la mort. Donc Adam zala qui précipité. Nankolo, même si le diable était précipité sur la terre, le Ézéchiel 28, Jérémie, comme Ézéchiel 28 nous le dit, mais par la chute d'Adam, Asemetaki encore au ciel, le serpent s'était encore élevé vers le ciel. Donc, encore qui élevé, le diable s'était encore élevé. Yango balobaki azalani pour détenir la puissance de la mort. C'est pourquoi on dit que le diable détenait la puissance de la mort. Mais comme le Seigneur par la mort a vaincu, mais comme le Seigneur n'enseigne à Koufanaya longi Satan, victoire à l'œuvre de la croix. Donc la victoire de la croix est précipitée. Là encore précipitée sur la terre. C'est par rapport à l'entrée mort. C'est par rapport à l'entrée de la mort sur la terre. Maintenant, le Seigneur. Maintenant, Kolo Balinga. A talissé un mot par rapport à l'imota à Israël, naba nation. A déjà montré cela par rapport au peuple d'Israël et les nations. Parce que les nations basan est serpent. Parce que les nations sont comme les serpents. Ce qui Israël a tout cité. Si Israël n'obéit pas à la parole. Les Adam n'est pas tout cité. C'est comme Adam qui avait désobéi. Ba nation va commis au-dessus à Israël. Les nations deviennent au-dessus du peuple d'Israël. Basan est serpent, c'est comme les serpents qui se lève encore. Mais tant nous en passons restaurer Israël, ils ont délivré. Mais lorsque Israël, le Seigneur restaure Israël et les délivre, l'obara toujours à nos nations en a précipité dans ces jours des morts. Le Seigneur parle toujours de la précipitation de la nation qui s'était élevée. Nous sommes en train. Nous nous faisons bien comprendre. Ah. Donc, l'obligé mon compisson nous a dit n'a pas voulu aller voir. De la même manière, nous sommes. Nous aussi, nous étions sous la servitude. Satan était élevé. Satan a tout quoi maki. Mais le Seigneur a fait cette œuvre. La lèvre de la croix. Moussa le koulousou. Il a précipité pour n'accomplir sa
victoire sur la mort. Maintenant, même si le Seigneur a accompli cette œuvre à la croix, Hébreux 2 rajoute ceci. Verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Donc si tu regardes la terre, le monde, vous sentez vraiment que le diable domine. Tu sens vraiment que c'est la domination du diable. Mais Dieu a déjà accompli. Mais le Seigneur a déjà accompli. Par l'œuvre de la croix. Nanzela musale kulusu. Zola namana. Suivez attentivement. Mais le roi l'a dit qu'il puisse d'abord la chair. Mais comme il nous a encore laissé dans cette chair, c'est que la Bible déclare nous sommes loin du Seigneur dans 2 Corinthiens 5. Dans 2 Corinthiens 5, la Bible déclare nous sommes loin du Seigneur en demeurant dans cette chair. Nous sommes baillés par la foi et non par la vue. Et nous les connaissons par la foi et non par la vue. Et Pierre a dit nous les verrons tel qu'il est. Mais Jean dit comment on a eu le lingé à ça. Même Jean. Pierre a dit que c'est lui que vous aimez sans avoir vu. Petit là le dit oh yobino bolinga kanzanga comment on a eu la miso. Et Dieu bénisse. Zambi a pas mal. Donc c'est que c'est à dire. Tant que nous sommes dans cette chair, il y a le combat. Par rapport maintenant à Israël. Par rapport au peuple d'Israël. Israël a été le sable de la mer. Israël est comme le sable de la mer. Comme la chair. C'est ce que Galates 4 résolve. C'est ce que nous dit Galates 4. À partir du verset 21 à verset 27. À partir du verset 21 jusqu'à 27. Parce qu'il faut comprendre le mouvement d'Apocalypse 12. Parce que nous devons comprendre le mouvement d'Apocalypse 12. Galates chapitre 4. À partir du verset 21 à verset 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'attendez-vous point la loi, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Donc, Paul a tellement la perfection. Paul a vraiment prêché la perfection. Et ça, n'a pas ma cambo, zamba zolo bela, n'a katia ma cambo, zana Genèse 25. Il y a des choses que Dieu est en train de parler dans ce qui est dans Genèse 25. Donc, tableau prophétique qui en Zambé Zamboué. Les tableaux prophétiques de Dieu est comme ceci. Tango Moni. Lorsque tu vois Sarah Koufi. Sarah mourir. Sarah Atalisaka Elembo. Yayemoko. Abraham. Sarah représente les signes de lui-même Abraham. Parce que la femme, c'est le corps du mari. Donc Dieu, la faiblesse de Dieu, ils ont présenté aussi comme une femme. Et la faiblesse, quand tu vois Jésus-Christ, c'est la faiblesse de Dieu. C'est pourquoi Rebecca avait dit à Jacob. Lorsque Jacob avait peur, Jacob avait dit, papa maudire, mon père me maudira. Rebecca avait dit, malédiction est tombée du corona. Que cette malédiction retombe sur moi. Voilà Rebecca, comme Christ Jésus. Par ce langage-là, Rebecca n'est plus Rebecca, mais elle devient Christ Jésus. C'est Jésus. Les aïeux sont à Malobawana. Yéda, la faiblesse.
de Dieu. C'est Jésus-Christ la faveur. Malédiction. C'est lui qui va accepter toute la malédiction. C'est pourquoi lorsque tu vois Sarah mourir, livre à Genèse 23. Dans le livre de Genèse, chapitre 23. Maintenant, Genèse 24. Dans Genèse 24, Abraham a tenu serviteur le plus ancien. Abraham a voit son serviteur le plus ancien. D'aller chercher une épouse ou une femme pour son fils Isaac. Et le serviteur onaza et le moya Saint-Esprit. Et ce serviteur le plus ancien est le signe du Saint-Esprit. Oyo azotea à l'église à outa acte 2. Qui prêche l'église depuis acte chapitre 2. Et tamwa kei a sali musala. Et lorsqu'il est allé faire le travail, a dit qu'à moi c'était. Il n'avait pas laissé ou abandonné la femme. Et il avait demeuré dans leur maison. Il avait amené toutes les richesses de la maison d'Abraham. C'est pourquoi il avait mis sur la femme des bracelets et les anneaux au nez. Donc la femme, moi aussi, Rebecca, Azala qui scellé la richesse et où tu n'es pas Abraham. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, tout ce que nous avons provient du Dieu vivant. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. La nature que nous allons présenter, c'est la nature du Saint-Esprit. Parce que voyage à serviteur roi, parce que le voyage de ces serviteurs-là, Ayaka na nyonso. Il avait tout apporté. Oui, pour ça, là, était à mon besoin, moi. Qui fera qu'il puisse prendre la femme. Dans moi, c'est pour ça. Lorsqu'il a fini son travail, amené moi. Il a amené la femme. Accueilli pour moi, c'est pour tant à Isaac. Il a amené la femme pour rencontrer Isaac. Et l'emboya l'inétoi. Et c'est ça le signe de l'enlèvement de l'église. Maintenant, si Maya l'inétoi, et l'emboya Genèse 24. Maintenant, après l'enlèvement qui a pour signe Genèse 24, Genèse 25 est sauvé. Maintenant, Genèse 25 commence. Abraham a encore le sous moi si. Abraham est allé encore prendre une autre femme. Ketura. Comment est Ketura? Femme ou un abosoi? Cette femme-là qu'il prend. Ils ont taï ça, nous les gens qui sont connus dans la manzamba côté à Israël. Cette femme-là représente Israël qui sera pris par Dieu après notre enlèvement. Vous suivez attentivement. Et la lèrouana. Et en ces temps-là. Maintenant Abraham prendra tout son héritage. Il remettra à son fils Isaac. Il avait donné à Isaac tout son héritage après qu'il se soit marié. La femme était déjà entrée dans la maison. Nous, nous sommes encore sur la terre. Donc après qu'on notre entrée dans la maison d'Isaac, alors Isaac recevra tout le bien d'Abraham. Maintenant tout le bien d'Abraham ou l'héritage est identifié dans Romains 4 verset 13. Amen. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Promesse. Héritage Abraham et la Kamakisa, héritage ya monde. L'héritage qui était donné ou promis à Abraham, c'était le monde entier. Ils ont été relevés par celle. C'est comme on te dit que ta parcelle, c'est toute la terre. Mais là, Isaac a son nom qu'on connaît. Maintenant, quand est-ce que Isaac reçoit cet héritage? Dans Apocalypse 11. Dans Apocalypse chapitre 11. À partir du verset 15. À partir du verset 15. Apocalypse 11, à partir du verset 15.
J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le septième ange sonna de la trompette. Moi, j'ai lu à Sambo, à Oula qui, quel est l'autre. Et il y a dans le ciel de fortes voix qui disaient. Les royaumes du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Or, Christ, Christ, Galates 3, verset 16. Nous les lisons au nom de Jésus-Christ. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à son postérité. Il n'est pas mis et aux postérités comme s'il s'agissait de plaisir. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité. C'est-à-dire à Christ. Au moins, moi, Abraham. Vous voyez la postérité d'Abraham? Mais Christ. C'est Christ. Au moins, Abraham a son héritage. Donc le fils d'Abraham reçoit l'héritage après qu'il se soit marié. Nous attendons les noces avec le fils d'Abraham. Nous avons la Bible qui est allée. Amen. Maintenant, on dit ici les royaumes du monde qui est remis à notre Seigneur et à son Christ. Cette prophétie s'accomplira au règne de 1000 ans. Au moins, Genèse 25. Vous voyez Genèse 25? C'est un millénium. C'est vraiment le millénium. C'est pourquoi tu vas remarquer. Et c'est là qui bâtit Elembo. Il fallait qu'il y ait les signes aussi des fils de concubines d'Abraham. Oyo, Abraham a baissé Badon. Qu'Abraham est fille de Don en ce temps-là. Adam wana et Alisaka. Ces dons-là ne représentent que. Motona boye. Donc l'homme comme ça physiquement. Akoki kubika mikolo mingi te. L'homme physiquement naturellement comme ça ne peut pas vivre pendant beaucoup de temps. Mais Zamba kosala ke ba nation. Mais le Seigneur fera que les nations. Babika 1000 ans. Puisse vivre 1000 ans sur la terre. Ils ont don. Et c'est ça le don. C'est ça le don d'Abraham. Remis au fils de ses concubines. Mais Isaac, Isaac est le fils de la maison. C'est ça Genèse 25. Yango de Genèse 25. Pour Isaac, Azouzoua, héritage à Siabali. Pour Isaac, Azouzoua, l'Ibula, Yatata, Nasimaye, Kobala, Rebecca. Si nous sommes là, la bison de Rebecca, Yatolo. C'est nous, la vraie Rebecca, qui attendons les noces. Et nous, Genèse 25, n'allez pas qu'ils aiment. Cela veut dire que Genèse 25 ne s'est pas encore accompli. C'est ça la Bible. Yango de Biblia. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment où le serviteur le plus ancien a voté à Rebecca. Que le serviteur le plus ancien prêche d'abord la femme Rebecca. C'est le temps. Donc, Genèse 25 n'a pas commencé. Genèse 25 n'a pas encore commencé. Il faut savoir faire l'écriture. Il faut savoir faire la lecture des Écritures. Amen. Ah. C'est pourquoi nous montrons ceci, bien-aimés. Lorsque le Seigneur délivre Israël, en même temps, il montre la précipitation de la nation qui était élevée. C'est pourquoi nous avions pris les témoignages d'Ésaïe 14. Le lengue moko. De la même manière, nous sommes appelés le Fils de Dieu.
par la foi. Mais cela s'accomplira lorsque nous obtiendrons la rédemption du corps. Lorsque nous obtiendrons la rédemption du corps, c'est lorsque ce fils est enlevé. Il faut présenter Satan à précipiter. Il faut qu'on nous présente le diable précipité sur la terre. Lorsqu'il est précipité, qu'est-ce qu'il fera? De combattre la femme. Le serpent ira combattre la femme. Mais lorsqu'il ira combattre la femme, déjà les deux ailes du grand aigle et mémié. Déjà les deux ailes du grand aigle vont amener la femme. Et aussi bien aimé. Lorsque le serpent attaque la femme, il va lancer de sa fleuve, le fleuve d'eau. Maintenant, il ne faut pas le voir comme le fleuve Congo. Il faut l'écriture. Il faut lire les écritures. Prenons Ésaïe chapitre 8. Parce que le serpent va lancer le fleuve. Parce que le serpent lancera le fleuve contre la femme. Pour que ne concerne moi. Se confirme que femme wana azotali samena Israël. Nous avons confirmé que la femme qui a les deux ailes représente maintenant Israël. Pour azui deux ailes qui est comme Moïse et Élie. Parce qu'elle a reçu les deux ailes qui sont comme Moïse et Élie. Et aussi à vous la nourrir pendant 1260 jours. Payer à coller sa ma 1260 jours. Oyo balobiana coller ses 1260 jours. Donc être nourri pendant 1260 jours. On a verset 6e et Apocalypse 12. Nous l'identifions au verset 6 d'Apocalypse 12. Yango moko eza na Apocalypse 11 verset 3. Et c'est la même pensée qui est dans Apocalypse 11 le verset 3. Soit Apocalypse 11 verset 3. Apocalypse 11 le verset 3. On s'en est dans Apocalypse 12 verset 6. Et tu les maries avec Apocalypse 12 le verset 6. Apocalypse 12 verset 6 parle de que la femme azolia pendant 1260 jours. Pendant 1260 jours. Maintenant Apocalypse 11 verset 3. Maintenant Apocalypse 11 le verset 3. Parle de les deux témoins. Ces deux témoins-là, ce sont les deux ailes d'aigle sur la femme. Bako profiter pendant 1260 jours. Bako côté ya mikolo 1260. Or, côté ya wana nde yango bili. Et la prédication des deux témoins, c'est ça la nourriture de la femme. C'est pourquoi on a dit qu'ils prophétiseront pendant 1260 jours. Il y a Apocalypse 12, verset 6. Il dit femme pas au lia pendant 1260 jours. C'est pourquoi là-bas on parle de la femme qui mangera pendant 1260 jours. Maintenant, on a dit dans Ésaïe 8, pour avoir la fleuve. Maintenant, on a. Au serpent, Gautin. On voit, on remarque dans Ésaïe 8 le fleuve que le serpent enverra contre la femme. Totangi Ésaïe 8 verset 7. Ésaïe 8 verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Totangi na kombo na Jésus-Christ. Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Tala Yahweh a continué de la bangone tumba ba mai oyo ya minene pe ya manguya. Maintenant, on va expliquer grand eau et fleuve. Maintenant, on explique les eaux grandes et puissantes du fleuve. Les rois d'Assyrie. Mon côté à Souya. Et toute sa gloire. Et il s'élèvera partout au-dessus de son lit. Et il se répandra sur toutes les rives. Maintenant, Esaïe a prophétisé que Esaïe 59. C'est à cause de cela qu'Esaïe avait prophétisé dans Esaïe 59. Esaïe 59. Esaïe 59. Le verset 19. Le verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. On craindra le nom de l'Éternel. Depuis l'Occident. Et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. L'Esprit de le Seigneur le mettra en fuite.
Molimo ya Yahweh ko potisa ka emba. L'ennemi venir comme un fleuve au Esaïe za kolobawa. L'ennemi viendra comme un fleuve dont Esaïe parlait. Yewana Esaïe 8 verset 7. C'est lui dans Esaïe 8 le verset 7. Ezalaki Assyrie, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Yewana Esaïe zo mona na vision ki ah grand fleuve mon besoin est attaqué. C'est lui qui voit Esaïe, vous voyez dans la vision un grand fleuve qui venait les attaquer. Or la Syrie, or le royaume d'Assyrie, il était serpent en son temps. Azalaki nyoka wa tombwama na tambwa bokonzi na ye. Il y a la même qui s'est bien passée. Zambi a son qui s'attaqua comme ailleurs le cas. Maintenant, tant nous autant d'Apocalypse 12. Maintenant, lorsque tu lis Apocalypse 12, les serpents nyoka azo lancé le fleuve à son poids comme maïa monnaie pour s'attaquer à la femme pour n'a qu'au landa moi si fleuve ou n'a pas béni à mot roi donc les années ma puissante nation ya tawana d'Apocalypse 12. Ces fleuves là ce sont les puissantes nations de ces temps là d'Apocalypse 12. Nous aurons un malin. Amen. Parce que l'écriture et ce que le côté est sabissé parce que l'écriture nous montre maïwana. Et Banéwana est venu attaquer la femme. Ce fleuve-là qui était venu attaquer la femme. Mais elle a attaqué la femme derrière. Mais elle a attaqué la femme par derrière. Pas devant. Liboso, moi, cité. Bonne année. Pourquoi? Derrière, il y a la place, il y a ma serviteur. Parce que derrière, c'est la place des serviteurs. Parce que serviteur, il y a les plus petits. Pour être moussal, il y a mon pied, Koleka. Jésus-Christ c'est pourquoi Jésus-Christ avait dit qui est allé vous voir dans les un prophète Mosakoli. Mais plus que prophète allez qui écoute Mosakoli parmi ceux qui sont nés des femmes il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Lorsqu'il parle, celui qui est né par l'accouplement de l'homme et de la femme. Jésus n'est pas né par l'accouplement de l'homme et de la femme. Maintenant il dit, mais les plus petits dans les royaumes. Le plus petit là, c'est le serviteur du royaume. C'est le plus petit là, c'est lui le serviteur du royaume. Il est le serviteur fidèle qui donne la nourriture au temps convenable. Il est Moussa ya Mosé mo apesa ka bilei na tango ebongi. Matthieu 24:45. Matthieu 24:45. Oyo ba démon Frank Ward ya message à Branham bazwa versé wa. Que les démons de Frank Ward avaient du message de Branham avaient pris ces versets. Les serviteurs fidèles, c'est Jésus-Christ lui-même. Mosali a bossé pour Jésus-Christ, il est mon corps. A boti kabiso ban étiqueté, il sera toujours avec nous. Il ne sera jamais des orphelins, il sera toujours avec nous. Vous aurez un malin. Vous suivez attentivement. Et quand le fleuve est annoncé, et lorsque le fleuve est lancé contre la femme, balobi, derrière la femme, il y avait une bouche. On avait dit derrière la femme, monokomo kwezalaki. Bouche pour moi, Maki. Et la bouche fut ouverte pour engloutir le fleuve lancé par le serpent. L'écriture est présente à la femme, ou bien est présente à et l'on connaît son de plusieurs manières. L'écriture présente chaque chose de plusieurs manières. À présente à ennemi des nations. L'écriture peut présenter l'ennemi, les nations comme une bête des champs. Représenter comme des sauterelles. L'écriture peut présenter les nations comme des sauterelles. Dans Joël 1. Dans Joël chapitre 1. Présentant aussi comme un fleuve. Présenter aussi les nations comme des fleuves. Dans Ésaïe 59, verset 19. Dans Ésaïe 59, le verset 19. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La terre ouvrit la bouche. Ma belle fongolio est pour ne secourir la femme. Pour n'accueillir la moisson du soumis. Donc, et protéger la femme. Pour protéger la femme. Pour nous comprendre, nous faut oser 12, verset 14. Pour comprendre cela, il faut lire oser 12, le verset 14. Après, nous osons encore dans Esaïe 59, verset 19. Après, nous retournerons encore dans Esaïe 59, le verset 19. Oser 12, au verset 14. Oser chapitre 12, le verset 14. L'écriture est sur le l'écriture nous dit ceci.
Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Yahweh abimisa Israël kouout Égypte. Là, c'est Moïse. Wanezali mosakoli Mose. Et par un prophète, Israël fit garder. Pe nanzela mosakoli moko Israël a batté la maki. Prophète Israël. Oya garda Israël. Le prophète qui avait gardé Israël. Dans un monde naïe na mort, il y a Moïse avant sa mort. Nous le voyons dans la mort de Moïse. Dans Nombre 27 avant Koufa. Dans Nombre 27 avant sa mort. Moïse a zavolu kanani. Qui est-ce que Moïse cherche? A zavolu kawa pour garder Israël. Moïse cherchait celui qui va garder Israël. L'Éternel a lobby. Yahweh a dit ici. À partir du verset 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, il dit dans verset 17. L'Éternel dit à Moïse, Yahweh a dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim. Mata Nicolas Angomba ou Yabarim. Nazan en nombre 27, dans le verset 12, il dit à 17. Et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Qui les regardera? Mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple. Comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tyre lors de la contestation de l'assemblée et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation. À Kadès, dans le désert de Tyre. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. Yahweh Nzambe ya milimo ya soni nyoso atia likola libota moko. Qui sort devant eux? Oyo akobima kaliboso na bakoko. Qui entre devant eux? Pe akosonga kaliboso na bakoko. Qui les fait sortir? Abimisa bakoko ne tuba. Qui les fait entrer? Pe asongi sa bakoko. Afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Wete lisanga na Yahweh zala te lokola bibwele oyo basangi mobate. L'Éternel dit à Moïse, Yahweh ici na Moïse, prends Josué, soit fils de Nun, moi na Nun, homme en qui réside l'esprit, monteur na katia nani moli mwezali, et tu poseras ta main sur lui. Peyo kotia loboko na eli. Moïse cherchait l'homme qui pouvait garder Israël. Monsa zala ki na koluka moteur ya kokaki ko bate la Israël. Le Seigneur a choisi un prophète. Peyo Yahweh apona ki monsa kolimo. Et c'est ça. Osée 12. Par un prophète, Babimi Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte. Par un prophète, Nazala qui gardait. Maman battait la magie. Maintenant, Oyazo gardait la femme. Maintenant, celui qui garde la femme, c'est la bouche. Et ça, mon ogo. Nous faisons bien comprendre. Même aujourd'hui, attends-le. Le prophète a délivré mission d'Égypte, c'est Jésus-Christ. Le prophète qui nous a délivré de l'Égypte, c'est Jésus-Christ. Maloba qui n'a lu chapitre 21, verset 15. Mais il avait dit dans Luc 21, le verset 15. Je vous donnerai une bouche. N'a coupé sa cabine mon corps, mon corps. Bouche. Cette bouche. Yamone garde à l'église. C'est cette bouche-là qui garde l'église du Seigneur. Si vous comprendre bouche, on a faut dans Apocalypse 2 à 3. Si tu veux comprendre cette bouche, il faut lire Apocalypse 2 et 3. On a chaque souka et lettre. À la fin de la lettre adressée aux églises. Et le dit que celui qui a des oreilles. Oya salina bamatoi. Attends ce que l'esprit dit. Ayoka oyo molimo ekoloba. Donc molimo centre na ministère la parole. L'Esprit Saint dans l'œuvre du ministère. Il y a des bouches. C'est lui la bouche de l'Église. Oiseau garde l'Église. Qui garde l'Église du Seigneur.
Parce qu'il avait promis dans Luc 15-21 qu'il donnera une bouche. 21 verset 15. Et Dieu bénisse. Amen. Maintenant, bouche à quoi appelle ça appelle l'église. Maintenant, la bouche qu'il avait donnée à l'église. Isande nakatia mabele. Et dans une terre. Nous les serviteurs, nous sommes des terres. Nous sommes ma belle. Nous sommes l'argile. Mais nous possédons une bouche. Parce que nous allons la ils ont protégé aussi la femme aujourd'hui. Qui protège aujourd'hui aussi la femme qui est l'église. De la même manière pour Israël. Le Seigneur a reçu une terre. Le Seigneur ne prendra qu'une terre. Où ils ont la cima et la femme. Derrière la femme. Cette terre est derrière la femme. Cette terre est derrière la femme. C'est l'avenir. Ce sont des serviteurs. Et Nicolas Babazali va s'en. Babosa l'a choisi parmi les frères. Yamobaza aussi terre. C'est pourquoi ils sont appelés terre. Mais Bazana, il bouche. Parce que Bazali n'a pas de cocotte dans la bouche. Bouche, on a des Esaïe 59, 19 et ben yango. C'est cette bouche-là qu'Esaïe 59, 19 appelle. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Tango Monguna Koya, Lokola et Balemonene. L'esprit de l'éternel. Mon limoua Zambé, Kokimi, sa bouche. L'esprit de l'éternel, c'est ça la bouche. L'esprit de l'éternel, c'est ça la bouche, mon nom. Donc, fleuve, Zoya. Donc, le fleuve vient. Et l'esprit de l'éternel, ça combat le fleuve. Maintenant, l'esprit de l'éternel combat ce fleuve-là. L'ennemi vient comme un fleuve. Mon gouna, les pas. L'esprit de l'éternel les mettra en fleuve. Si mon limoua Zambé, Lokola, mon nom, Kokimi, sa bouche. Maintenant, l'Apocalypse 12. Maintenant, l'Apocalypse 12. L'Esprit de l'Éternel, vous en a quatre, il y a des témoins. Mon limon, na yawe, vous en a quatre, ça va être des témoins, il va pas qu'on l'a mis. Bamboana ne va pas la bouche pour protéger la femme. Ce sont eux qui seront la bouche pour assurer la protection de la femme. Bamboana prend des masses comme des ailes. Oh, bah, on doit femme, oh, bah, bon, bah, y'a loin du serpent. Ce sont ces deux témoins qui sont aussi les deux ailes pour éloigner la femme, loin de la face du serpent. Parce que, pour être comme la colia et sa colonga. Parce que avaler ou manger représente la victoire. Jean-Baptiste avec une bouche. C'est pourquoi Jean-Baptiste était une bouche. Leur maison ne manquait pas de viande. Il était même fils du sacrificateur. Maintenant, il a laissé leur maison qui avait beaucoup de viande. Et il se rend ma banque pour manger du souterrain. Comprendre ma banque, il y a un langage qui soit fleuve. Mais comprends que ces souterrains-là, ce sont d'autres langages du fleuve lancé contre la femme. Mais bouche de. Mais une bouche. L'esprit à Eli. L'esprit d'Eli. Désolé. Qui mange, qui donne la victoire. Est-ce que nous aurons un mal? Est-ce que nous suivons attentivement? Vraiment, Tony, mais il t'aime aussi ça. Moi, tango, yo, par la grâce de Dieu. On voulait qu'à chaque temps puisse finir à temps. Donc, total, que. Nous avions fait voir l'herbe a des soins aussi une terre. Lorsque les deux soins viendront, ils seront aussi une terre. Parce que Dieu choisit les frères d'entre les frères. Mais ils auront une bouche et qu'on protéger la femme. Et cette bouche va protéger la femme. Donc l'herbe va vous la du temps de leur ministère. Attaque bien son ennemi à Koyana comme un fleuve. Toute attaque que l'ennemi lancera comme un fleuve. Et aussi voit Israël. Cela ne touchera pas Israël. Mais comment après 1260 jours, mais après 1260 jours, on tuera ses ennemis. Et combattre fleuve et colombois. Maintenant, cela veut dire la bouche qui combattait le fleuve du serpent sera ôtée. Et qu'est-ce qui se fera? Fleuve wana et qu'on inonde maintenant la femme. Cela veut dire que ce fleuve-là va inonder la femme. Wana après la mort a besoin. Là après la mort de deux témoins. Et par la grâce de Dieu, tokomona yango lobi lodengezamba kosunga. Et par la grâce de Dieu, nous allons le voir demain par l'assistance. Vraiment qui m'a encore loué ça na mokona mokonza mbe abumba yo sale na yo bola. Vraiment.
que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun. Seigneur, merci pour n'angolo sali na kati na biso. Merci Seigneur pour la grâce que tu as faite. Kombo na yo izo esika na kati na moko na moko. Que ton nom prenne place dans la vie de tout un chacun. Yoka lo sambo yande konyoso besoin na ye. Écoute la prière de tout le frère. Yo yoka ka dans les secrets. Toi qui écoutes dans les secrets. Oya no la pona lo kumo na kombo na yo. Seigneur, pour la gloire de ton dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour la pampa, la pampa, la pampa. Que le Seigneur bénisse tout un chacun.